Bonjour, je m'appelle Wissam Sharaf, je suis réalisateur, je viens du Liban. Vous présentez mon premier long métrage, Tombé du ciel. C'est un film qui a fait sa première à Cannes cette année. Et c'est un film qui parle de l'après-guerre du Liban et de la folie qui y règne sur le ton du burlesque et de la satire. Alors, Tombé du ciel, c'est l'histoire de deux frères. Omar, un garde du corps, qui a pour cliente une chanteuse de pomme qui se lance dans la politique. Et un jour, son frère débarque à Beyrouth et son frère était supposé être mort. C'était un ancien milicien pendant la guerre. Donc les deux frères vont se retrouver, vont devoir cohabiter dans un Beyrouth qui est au bord de la folie parce que c'est Beyrouth, quoi. Alors c'est un film qui a été tourné en 15 jours, alors que j'ai pris 10 ans à réunir de l'argent pour ce faire. Comme quoi, parfois, les voies du financement sont impénétrables. Mais ça a été une belle aventure avec une équipe moitié française, moitié libanaise. Il y a plein de gens qui sont vraiment amusés là-dedans. Parce que ce ton au 10e degré ou au 20e degré, c'est pas un ton qu'on utilise d'habitude. Donc je pense que ça a intéressé pas mal de gens. Et j'étais déjà venu à Travelling en 2004 pour présenter mon premier court-métrage, Iziawiz. Donc c'est une belle histoire un peu qui se termine là avec mon premier long-métrage à Travelling.